cynical life you lead. So tired of the consequences of your greed. Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonjour, bien le bonsoir, il est 19h23, comment allez-vous? Moi ça va bien parce qu'aujourd'hui la LMDE3 en version bêta a pointé le bout de son nez. Je n'ai pas pour habitude de présenter des versions bêta. Donc je vais pas. On peut. Ce que je vais faire, ça va pas être une présentation. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que certains utilisateurs n'arrivent pas à faire la différence entre une version bêta et une version finalisée. Je m'explique. Il suffirait que je présente la version bêta, qui porte bien le nom de bêta. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des bugs dedans. Hein, et que je mette en évidence certains bugs. Et bien certains utilisateurs qui pour eux bêta ça veut rien dire vont aller crier partout « Elle est buggée cette Mint !» Or que non, on parle d'une version bêta. Et qui plus est chez Linux Mint. On voit que le travail est fait. Il y a des bugs dans les versions bêta. Et bien souvent les bugs que l'on voit dans la version bêta n'existe plus dans les versions dites finalisées. Vous allez me dire, bah, c'est normal, sortie pour grand public, version finalisée. Ouais, mais c'est pas le cas pour toutes les équipes, je peux vous l'assurer. Alors, j'ai créé un article de blog qui se trouve ici. C'est la version bêta pour LMDE3, son petit nom de code Cindy. LM2 est un projet Linux Mint et signifie Linux Mint Debian Edition. Son objectif principal est que l'équipe de Linux Mint puisse voir à quel point donc, notre distribution serait viable et combien de travail serait nécessaire si Ubuntu devait disparaître. LMDE vise à être aussi similaire que possible à Linux Mint, mais sans utiliser Ubuntu. La base de paquets est fournie par Debian à la place. Alors, regardez, ça date du 20 juillet, hein, news du mois, juillet 2018, voilà tout le blabla, vous lirez, mais si on descend plus bas, assez bas même, je descends, ça c'est tous les dons. Le premier commentaire de Clem, voilà. Pedro, qu'est-ce que Pedro dit à Clem? Enfin, dit en commentaire, publie en commentaire. Voilà ce qu'il dit. Je sais que c'est un problème avec Ubuntu 18.04, mais les problèmes avec Samba et VPN sont tout simplement absurdes. C'est une sacrée honte que tant des problèmes se soient infiltrés dans une version LTS, donc il parle d'Ubuntu 18.04. J'espère qu'ils ne seront pas présents dans Mint, puisque voilà, vous êtes généralement très attentifs aux problèmes d'Ubuntu. Très franchement, avec les Flatpak, je pense que vous devriez juste migrer vers une base Debian, donc la LMDE3. Hein, et faire des flatpacks de tous les paquets non essentiels présents dans la distribution et continuer à partir de là. Vous travaillez toujours autour des problèmes d'Ubuntu et des problèmes de GNOME. Il veut dire par là que quand Clem et son équipe ont fini de résoudre tous les problèmes qui sont liés à Ubuntu, hein, et tous les problèmes qui sont liés à GNOME, voilà, ils n'ont plus guère de temps pour vraiment, je vais dire, se focaliser sur le reste. Et là, j'ai été surpris de la réponse de Clément Lefebvre, comme quoi, mais voilà, je trouve qu'il a raison. I'm sorry, Pedro. Hop, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, voilà. Je suis désolé, Pedro. Debian est loin d'être parfaite et Ubuntu règle beaucoup plus de soucis que ne provoque de soucis. Donc, Ubuntu ajoute beaucoup plus de corrections que de régressions. Vous ne pouvez pas pointer du doigt Ubuntu sans savoir si ces problèmes ont été causés par eux ou non, ou du moins s'ils sont spécifiques à eux ou non. Les développeurs d'Ubuntu sont également très réactifs et maintiennent également leur pile très bien.
Des exemples tels que le conflit notoire entre Unspell et Thunderbird, ou plus récemment le fait que nous ne pouvons même pas demander à Debian de corriger deux fautes de frappe. Ah, voilà. Donc il veut dire par là que certes, ce serait peut-être mieux techniquement, peut-être, hein, ce serait peut-être mieux techniquement de travailler avec une base Debian. Mais il veut dire par là qu'en même temps, si on veut travailler avec une base Debian, il faut travailler avec les développeurs de Debian. Et il dit que c'est loin d'être pas la joie, quoi. Hein. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré que les développeurs de Debian font de l'excellent boulot, apparemment, ceux d'Ubuntu en font encore du meilleur. Et ils préfèrent travailler avec ceux d'Ubuntu. Voilà, moi je le comprends ici. Donc montre que... il y a un sentiment d'urgence, une cohérence, une hiérarchie d'Ubuntu. Debian est un projet incroyable et sans elle, il n'y aurait pas Ubuntu ni Linux Mint. Mais ce n'est pas une distribution de bureau impeccable. C'est assez injuste et ridicule de décrire des choses comme ça en ce qui concerne VPN et Samba. Voilà, enfin, vous n'aurez qu'à lire si vous désirez. Et je me demande, attendez, je regarde s'il n'y a pas... S'il n'y avait pas un autre commentaire... Je pense qu'il doit être beau... Non... Oh! Ah ben merde! Mais c'est qui ce fou là? Il a toujours sa tronche partout celui-là. Enfin, vous n'aurez qu'à lire. Vous n'aurez qu'à lire. Sur ce. Alors. Il n'y a pas de version ponctuelle dans LMDE. Mis à part les corrections de bug et les correctifs de sécurité, les paquets de base Debian restent les mêmes. Mais les composants Mint et Desktop sont mis à jour en permanence. Lorsqu'elles sont prêtes, les nouvelles fonctionnalités sont directement introduites dans LMDE, alors qu'elles sont mises en scène pour être incluses dans la prochaine version de Linux Mint. Oh, il faudra que je corrige, il y a des petits soucis là. Pourtant, souvent j'essaye de bien regarder, mais... Informations importantes, les notes de version fournissent des informations importantes sur les problèmes connus, ainsi que des explications, des solutions de contournement et des... Solution, là aussi, que je regarde. Pour lire les notes de version, veuillez visiter clac, configuration requise, enfin, vous lirez si vous voulez, rapport de bug, voilà, tous les liens de téléchargement, voilà, et ainsi de suite. Vous lirez. Donc, ah ouais, tant que j'y suis. On m'a fait remarquer que c'est bizarre, malgré que je commençais un peu à refaire un peu plus de vidéos, ça fait un petit temps maintenant, quelqu'un a remarqué que le nombre de vues sur chaque vidéo baissait. Certes, il baisse. Pourquoi ? Parce que lorsque je publie une vidéo, je ne la publie pas uniquement sur YouTube, comme c'était le cas avant. Avant, je publiais donc ma vidéo sur YouTube, je prenais cette vidéo et je la répercutais sur la page Facebook. Sur le groupe Facebook. Maintenant, ce n'est plus le cas. Lorsque je fais une vidéo, je la publie sur YouTube pour YouTube et je la publie sur la page Facebook pour Facebook. Ce qui veut dire que toute la communauté Facebook ne se fait plus chier à aller sur YouTube pour regarder ma vidéo. Ils la regardent sur Facebook. La preuve, voici le nombre de vues. 158, 178, 214, 224. Et si je me rends ici, sur la page Facebook, un exemple, je sais pas, celle-ci, elle a été vue 405 fois. 405 fois. Et ici, 158 fois. J'ai même plus de vues qu'avant. Ouais, j'ai plus de vues qu'auparavant. Ça a baissé sur YouTube, mais ne vous tracassez pas, j'ai largement récupéré ce que j'avais perdu au travers Facebook. Ici, il n'y en a pas beaucoup, ça n'a guère intéressé de gens. 106 ici, 161,
39, voilà, ça va. 285, donc ça, c'est pas un problème. Alors, certains m'ont dit, oh, c'est bizarre, je trouve que tu devrais avoir plus d'abonnés. Ne vous tracassez pas pour le nombre d'abonnés. Je suis à 372 vidéos. 372 vidéos. 1603 abonnés. C'est très bien. Quand vous pensez que certains youtubeurs ont sorti 2-3 000 vidéos et ont quoi? Ils ont bien le double, ils ont le double de mes abonnés, donc il y a un petit problème. Soit ils sont. Voilà, je sais pas, il y a un problème. 372 vidéos, 1603 abonnés, certains ont 3 000 abonnés pour 2-3 000 vidéos. Ouais, je sais pas. Donc j'ai pas trop à me plaindre, hein. Ça va? Sur ce, clac, 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 clac. Voilà. Et ce qu'on va faire. Je vais faire ceci. New Window. On va vite l'installer ensemble. Allez, en vitesse. Attendez, je regarde quelque chose. Voilà. Create. Next. Je vais faire comme ça. Clac. Clac. On va faire ça. Tuto. Vous allez voir, ça va être très vite. Hop là. Store. Là, je vais mettre. Ah oui, alors il faut 30 minimum hein, d'espace disque. 30 minimum. Customise. Là, j'ai un petit bug, donc je vais faire close. Finish. Voilà. Edit. Je vais lui foutre 4096 MB de RAM. Là, on va lui mettre les 4. Voilà. On y va. Soyons fous. Là, ouais, c'est bon. On va utiliser du NAT, sound card autodétection, printer on enlève, USB, voilà, mais on va mettre en 2.0, display c'est bon, option c'est bon, power c'est bon, VMware Tools, voilà. Et là je peux déjà mettre BBLX, blabla. Ok, on peut y aller. Voilà. On y va. Ça va aller vite. Parce qu'en attendant, je vais vous parler de d'un petit truc en plus. Voilà, directement on installe. Ah, la résolution va être un peu petite, il va falloir que je joue du Alt-clic gauche. Donc, on va faire French Belgique. Voilà. Hop, il détecte bien Europe-Bruxelles, je continue. Il détecte bien Belgian, Belgian. On continue. Alors, on y va. Donc, ce sera Bla. Blapter X, BBLX, blabla. Blabla. Le nom d'hôte, ce sera BBLX. Alors on va mettre LMDE 3 VM tuto. Voilà. On continue. Yes. On continue. On continue. Et on applique et on patiente. Alors, vous donner une idée. ISO. Linux, alors, affichage détaillé, alors, Linux Mint 19, Cinnamon, architecture 64, 1,9 Go. Donc c'est le poids de l'image ISO sur le disque. Maintenant, si je vais chercher la LMDE 3, 1,7, elle est plus légère de 200 MB, 200 mégas. La LMDE 2, 1,5. Par contre, la LMDE 3, a gonflé par rapport à la 2. Maintenant, elle fait un 7, la 3, et j'ai dit un 9 pour la Mint base Ubuntu. À voir si ça va rester sur un 7. Hein. Attention, on est en bêta, il va peut-être avoir des corrections. Enfin, quoique, juste des corrections, il n'y aura plus d'ajout normalement. Donc c'est bon. Alors, par contre, si je vais dans
VMware. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Oh. Alors, Linux Mint. Voilà. Oula. Non, il y a un petit souci là. Ah ouais, non, attendez, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. VMware, voilà. Je vais partir d'ici. Affichage, vue en icône. Attendez, je regarde. Ce serait 6-4. Ouais. 6,4. Giga ou 6400 mégas Linux Mint 19 Cinnamon architecture 64 environnement de bureau Cinnamon. Ok, maintenant si je pars sur clone LMDE 5.6, image ISO plus légère, installation donc fraîche install plus légère, c'est cool hein. Alors est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Eh ben, on patiente, hein? On patiente! L'installation est terminée. Voulez-vous redémarrer l'ordinateur? Yes. Alors, donc cette LMD3 tire sa base de Debian 9 Stretch, 9.5 exactement, enfin je suppose, la dernière version stable de Debian est la 9.5 Stretch. Sa fin de vie c'est 2021-22, donc je suppose que ce sera la même chose pour cette LMD3. Donc la base n'évoluera pas. Mais ce qui est au-dessus, donc ce qui est au-dessus, donc je parle de... Regardez, voilà, donc ça, ça doit encore être peaufiné. Ce qui est au-dessus, je sais plus ce que je veux dire, donc Cinnamon, hein, l'environnement de bureau, voilà, ça évoluera. Dès qu'il y aura des nouveautés, tout ça, hop, ça sera poussé. Enfin, je pense. Et voilà. Tout est nickel. C'est cool, hein. C'est magique, hein. Donc, moi, ce que je fais, j'ai plus besoin de celle-là. Ah ouais, c'est malheureux, la vie. Parce que, regardez ce que je fais. Clac, yes, et c'est parti. Hop là, pourquoi? Parce que j'ai déjà mes deux machines de prête. Alors, je vais démarrer donc celle-là, celle qui nous intéresse. Et je vais même... Regardez, 4.9.0-7 pour le noyau. Alors, hop, je démarre. Eh ben oui, parce que certains ont déjà présenté, enfin entre guillemets, moi je, voilà, tant que c'est pas la version finale pour le grand public, je présente pas, j'aime pas. J'ai déjà présenté la version bêta, mais c'est rare, je n'aime pas. Je vous ai dit pourquoi au début de vidéo. Donc ce que je vais juste faire, voilà, je vais me connecter à la base Ubuntu. Merci pour le son. Je vais me connecter à la base Debian. Donc la LM2E3. Et ce qu'on va faire, on va faire ça. Et on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Donc de visu, on ne pourrait... Attendez, je vérifie, on va dire de conneries. Eh bien, oui. De visu, on ne pourrait absolument pas
savoir sous quelle base on est. Ça, si ce n'est pas de la cohérence entre les différents environnements de bureau ou les mêmes environnements de bureau, mais alors on parle de bases différentes. C'est génial, non? C'est génial. Ah ben regardez, il y a des mises à jour. Tiens, ce qu'on peut faire, voilà, on va faire les mises à jour ici. Ah ben ouais, non, c'est une nouvelle, ouais, c'est une fraîche install. Donc on va faire préférences, clac, 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 ça c'est pour la version Ubuntu, version Debian, regardez, c'est identiquement le même. Je vais même avoir sûrement un petit message d'avertissement pour Time Shift. Voilà. Clac, clac, clac. Voilà. Ok, tu as un jour, pas celle-là. Allez, si j'installais les mises à jour. Je vais le faire ici. Voilà. Voilà. Ce qu'on va déjà faire ici, on va clôturer là. On va ouvrir une instance terminale. Donc si je fais un unm petit a 4.9.0-7, ici unm petit a, ah ben voilà, 4.15.0-20, ah ben voilà, base Ubuntu, base Debian. Si je fais un lsb underscore release-a, et alors lsb LSB release-a. C'est juste, c'est cool. Tara, Cindy. Cindy ou Tara? Bon, pour ma part, Tara. Voilà. Alors, ça c'est bon. Non, hein. Donc si je fais... Ah ouais, mais là il installe. Si je fais ça, ça devient... Non, c'est rien, je vais ignorer. Close, pas grave, je vais pas faire les mises à jour. Merde, quel fou. Comme ça, voilà, je vais pas faire les mises à jour, pas grave. Si je fais un sudo, attendez, apt update, voilà, blabla, quand même faire ça, hein. Hop, sudo apt install htop, blabla. Ok, ici on va faire sudo apt install htop. Donc Cinnamon 3.8 hein, des deux côtés. 630, 673. Donc 673 pour la base Ubuntu et 630 pour la base Debian. Oui, mais je vois que... Et malgré un peu moins en RAM, malgré que j'ai plus de tâches qui tournent et treat. Ouais. Ok. Voilà, voilà. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est clac, clac, clac. Je vérifie quelque chose. Si je fais ça, information système. Et alors, information système, 19 Cinnamon, LM2, 3 Cindy, 386 pour Cinnamon, ah ouais, ouais, bah oui, ouais, mais j'ai pas mis à jour, 388, 4.15.0-20 pour le noyau, 4.9.0-7, ok, ouais, voilà. Et maintenant, ce que je ferais peut-être bien, j'ai quand même envie de faire les mises à jour. Sudo apt update, voilà, désolé, mais sudo apt upgrade, voilà, oui, allez, fais-moi ça, parce que j'aimerais bien partir vraiment
de deux distributions vraiment à jour, de chez à jour. Donc là, il n'y a rien à mettre à jour. Ok. Rien du tout. Donc on va patienter que celle-ci se mette à jour. Ensemble. Et après, on va pouvoir voir les versions de logiciels. Voilà, en théorie, tout est à jour. Donc j'ai fait un sudo. Oula, je me trompe, je suis mal placé. On va faire un sudo reboot. Voilà. Je vais faire le même de l'autre côté pour vraiment vous montrer que l'écran de connexion, voir si vraiment il est identique. Ouais, c'est le même, hein. Il n'y a aucune différence. Donc à gauche, base Ubuntu. À droite, base Debian. Voilà, donc là, je suis à jour. Je suis à jour, d'ailleurs, si je retourne là. Que je descends dans information système 388, voilà, ok, je suis à jour, noyau ça n'a pas bougé, qu'est-ce que je voulais voir, oui, regardez, donc encore des mises à jour, c'est pas vrai, ah non, où est le noyau, eh merde, allez on y va, dégrouille-toi, mais c'est pas grave, on va laisser faire. Regardez l'apparence, c'est identique, hein. Donc l'icône du menu des applications principales, hein, avec en raccourci Firefox, gestionnaire de logiciels, gestionnaire de paramètres, terminal, Nemo, donc le gestionnaire de fichiers. Alors ici on a verrouillé l'écran, se déconnecter et quitter. La présentation est identique. Dans les catégories, toutes les applications accessoires, accès universel, bureautique, graphisme, internet, son et vidéo, administration, préférence, emplacement. C'est identique. Maintenant, ce que j'aimerais bien regarder, si je vais dans bureautique, et dans bureautique, c'est la même chose. Graphisme, identique. Internet, même chose. Son et vidéo, même chose. Donc on a vraiment ces deux distributions d'apparence et au niveau du package logiciel identique, c'est on parle juste de bases différentes. Alors, pour ma part, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la différence? Ben voilà, on part d'une base Ubuntu, paquet beaucoup plus frais, base Debian, on est en retrait, les paquets sont moins frais, c'est également valable pour ce qui est du noyau. On a un noyau beaucoup plus récent. Hein, on est quasi au taquet avec la base Ubuntu, avec la base Debian. Bah, c'est un noyau un peu plus ancien. Donc, ce que je me demande, c'est sur du matériel récent. Ah, est-ce que ça va tourner? Je parle vraiment de matériel récent. Déjà, avec un noyau, un des derniers noyaux, attention, le matériel de chez AMD, tout ce qui est Ryzen, ouais, voilà, ça commence. Voilà, il y en a ceux qui sont supportés, encore quelques petits soucis. Mais alors, avec un noyau, quand on parle de noyau, je sais pas, moi, c'est combien? C'est 4.9? Ouais, c'est 4.9, je crois. Non, c'est ici. C'est 4.9. Ouais. Comment ça va se passer avec ce matériel récent? Voilà. Sinon, à l'utilisation, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, on va tester ça ensemble. Allez, allons chercher un LibreOffice. Ah, version 6 point quelque chose, donc c'est la fameuse édition évolution. Sur la base Ubuntu. Sur la base Debian. Ouh, version 5. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Hein. Non, sérieusement. Hein, on peut voir un petit problème de
thèmes, apparemment. Ah ouais, deux thèmes. Ouais, regardez. Donc, ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a synoptique? Je vais faire ceci, voilà, ce sera mieux. Close. Clac, clac. Si je fais rechercher. Alors, LibreOffice, rechercher, LibreOffice, GTK. Rechercher, LibreOffice-GTK. Ouais, voilà. Je vais faire ceci, appliquer, apply. Alors on va recommencer. Bureautique, LibreOffice. Yo, c'est bon, c'est ça. Hein. Ouais. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Ok, super. Donc, aide à propos 5.2.7.2 aide à propos 6.0.3.2. Voilà. 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 Alors, qu'est-ce qu'on peut encore aller voir? Bureautique, c'est fait. Graphisme. GIMP. Ou 2.8. Ok. GIMP. 2.8. Il n'y a pas de souci. Voilà, on n'est pas passé à la 2.10 avec la base Ubuntu. Ok. Donc, pour ma part, là, il n'y a pas de souci. Au niveau réactivité, en VM, je précise, en VM, pour moi, c'est kiff-kiff. Pix. Pix. Aide à propos 1.8. 2 1.8.2 là c'est normal identique internet je sais pas moi Thunderbird allez je prends au hasard hein. Thunderbird clac clac help about 52.9.1 Par contre, regardez, là je suis bien en français, de l'autre côté pas. 59 point... 52.9.1. Yeah, cool. Cool. Alors... Firefox? Firefox. Attention, help. About 61.0.1 60.1.0 ESR. On est sur Debian. Ouais, ben écoute, moi perso, ça c'est. Voilà. J'utilise Linux avec des softs bien précis tous les jours. Et voilà, ceux-là, j'aime qu'ils soient un jour. Je parle de. De Chromium, je parle de VirtualBox, VMware, mais bon, c'est pas libre. Voilà, vraiment les softs que j'utilise, que ce soit pour m'amuser ou pour bosser, voilà, là j'aime mettre à jour. Le reste, je m'en fous d'être une version ou deux en retrait. Maintenant, je peux comprendre que celui qui bosse avec ces logiciels-là, il veut être à jour parce qu'il a besoin de certaines fonctionnalités, peut-être, qui viennent d'apparaître avec les mises à jour. Bah alors, ben voilà, ça veut dire que Debian n'est pas fait pour vous à ce moment-là. Non, quitter, pardon. Hop. Alors, je sais pas, moi. On continue. Ah, transmission, tiens. Et là. Transmission. Clac. Help. About. 2.92.
2,92. Cool, cool. Voilà, voilà, voilà. Sous vidéo. Oh, attendez un peu. Accessoires. Attendez un peu, j'ai envie de comparer un peu les deux. Accessoires. Si on a vraiment la même chose. Calculatrice, capture d'écran, clavier virtuel, créateur de clé USB, disque, éditeur de texte, fichier, formateur de clé USB. On a vraiment. On a vraiment la même chose. Hein. C'est identiquement la même chose. Moi, ce que je pense là, de cette version bêta, c'est que elle a l'air de tourner beaucoup mieux que la LM2.2. Maintenant, vous allez me dire, bah c'est normal, elle est vieille. Oui, mais quand elle est sortie, la LM2.2 n'était pas vieille. Mais voilà, c'est donc, quand elle est sortie, et celle-ci, voilà, elle vient de sortir, celle-ci tourne beaucoup, beaucoup mieux. Et alors, ben, ce qui est génial, c'est la cohérence entre les deux. Voilà, on ne sait pas dire sur laquelle on est, c'est chouette. Voilà, il y a juste la base qui change. Administration, administration. Ouais, c'est tip top, la même chose. Ouais. En plus que maintenant. Ouais, attention, c'est une bonne distribution de repli, hein. La base Debian. Si je vais chercher logiciel. Logiciel. Alors, un peu moins de soft sur la base Debian, hein. Un petit peu moins de soft. Je sais pas, moi. VLC. VLC. Alors, on a bien VLC des dépôts. VLC en Fatpak. Alors là, on va voir un peu les versions. 3.0.2. Ouais, là, c'est... C'est du numéro de version à la con, ça. Installation. Continue. Blabla. Et ici, installation, continue, blabla, voilà. C'est déjà prêt ici, hop, clac, 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 3.0.2. On a une version au-dessus. Petite, hein. Un petit numéro de version mineur au-dessus. Sur Debian. Ah ben merde. Maintenant, on peut également... Non, DJU. On peut également... Elle installe la version FlatHub. Voir si ça va aussi hein, sur Debian. FlatHub. Installation. Continuer. Regardez, de toute façon, on voit la barre de progression. Là, j'avais oublié. On va voir ce que ça donne. En théorie, là, c'est juste pour voir si ça fonctionne bien des deux côtés. Mais on devrait avoir le même numéro de version. 3.0.3, je pense. On doit avoir identiquement le même numéro de version, hein, puisqu'on part, c'est le même paquet Flatpak. Voilà, c'est le même dépôt FlatHub. Maintenant, pour ce qui est des dépôts logiciels ordinaires, là, c'est différent. Par des dépôts Ubuntu ici, et là, des dépôts Debian. Ben voilà. C'est différent.
Après, j'arrête parce que je ferai une plus longue présentation quand elle sortira, mais je suis vachement étonné quand même. Ouais, elle tourne pas mal. Elle est belle, elle tourne pas mal. Ben voilà, on est un peu en retrait au niveau du noyau, un peu en retrait au niveau des numéros de version logicielle. Mais à part ça, elle tourne très bien. Et c'est vrai qu'il a raison de la maintenir à flot. Moins souvent que que la base Ubuntu. Mais voilà, lui, sa priorité, c'est Cinnamon. C'est Mint Cinnamon, base Ubuntu. C'est ça sa priorité. Si Ubuntu venait à partir en cacahuète, eh bien voilà, il peut se replier sur la base Debian. Maintenant, à ce moment-là, on se retrouve avec un noyau en retrait, des numéros de version logicielle en retrait, et à ce moment-là, je me demande si Linux Mint serait encore aussi populaire de 1. Et ce que je me demande aussi, c'est. D'accord, il se replierait sur la LM2E3, mais LM2E3, c'est Linux Mint Debian Edition, donc environnement de bureau Cinnamon. Que deviendrait Maté et que deviendrait XFCE? Ah. Est-ce que, à la va-vite, voilà, il sortirait un environnement, enfin une édition Maté et XFCE? Je n'en sais rien. On va pas penser à ça. On a notre base Ubuntu. C'est génial, elle tourne bien, la base Debian tourne bien, malgré que voilà, c'est pas sa priorité et il bosse moins dessus. Bah, il l'a dit, il s'en cache pas, hein. Mais ça a toujours été son coup de cœur, hein. C'est voilà, son coup de cœur, c'est la base Debian. Mais voilà, comme il dit, c'est pas évident de travailler avec les développeurs Debian, c'est plus facile de travailler avec les développeurs Ubuntu. Les développeurs Debian, ben, il dit pas qu'ils travaillent moins bien, mais c'est pas évident de travailler avec eux. Mais ceux d'Ubuntu, apparemment, ils sont taqués. On peut leur demander, entre guillemets, ce qu'on veut. Ils sont là. C'est fini ici. Clac, je lance. Oufti, ouais, rapide. 3.0.3, voilà, comme j'avais dit. Et là, bah, c'est identique, hein. Ça ne saurait pas en être autrement. Voilà, donc putain, pour une bêta, elle fonctionne pas mal du tout. Et ça, c'est Clément Lefebvre. Hein. Il est, voilà, pour ça, je pense que voilà, il supporte pas, même s'il sort une bêta, qu'on lui dit soit c'est pourri, il y a plein de bugs, je pense qu'il supporte pas. Donc, lui, quand il sort une bêta, c'est quasi une version finalisée. Hein. Hormis quelques petites, voilà, je sais pas, vraiment des bugs mineurs ou des petites retouches esthétiques à faire. Sinon, il est au taquet et sa distribution est au taquet. Allez, sur ce, je vous dis bye bye à une prochaine, c'était Annie pour Blabla. Linux, allez, ciao ciao!